Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une deuxième fois, pour une troisième fois, dans pratique personnelle d'un chef d'orchestre. Et aujourd'hui, on continue de se préparer pour le 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms les unes à la suite des autres avec le concerto de violon. Et je voulais vous montrer un peu les dessous de la pratique d'un chef d'orchestre, à la fois sans musique et avec musique, dans le fond. Et donc aujourd'hui, contrairement à ce qui est écrit dans le titre, je vais d'ailleurs le mentionner. Nous travaillons sur la troisième symphonie de Brahms. C'est une symphonie que j'ai déjà jouée comme violon solo il y a quelques années. Une symphonie que j'ai déjà dirigée le premier mouvement, mais pas le reste. Et donc, je suis intéressé de voir comment le reste se passe. C'est une symphonie qui est très difficile quand même, qui est en 6-4 avec beaucoup de notes à gérer, avec pas beaucoup de mouvements. Donc, pas facile. Et donc, on va maintenant à la scène principale. Voilà. Donc, tout fonctionne bien. Donc, la troisième symphonie de Brahms est une symphonie qui est un peu plus courte que les autres avant. Qui est encore quand même en quatre mouvements comme les autres. Essayons du début, on verra qu'est-ce qui arrive. Corps 2, 1, ensuite trompette, ici, trompette 2, 1, violon, violoncelle, en syncope, flûte, bois, violoncelle. Violon 2, violon alto. Violon 2 alto. Et bois ici. Violoncelle, violon 2. Piano. Forte piano, pas trop fort. Réponse de bois ici. Et clarinette qui vient chanter tout seul. 1. Violoncelle avec alto. Après ça, t'as les bassons qui vient répondre à la flûte. On a maintenant un changement de tonalité. C'était les bois ici. Maintenant, 9-4. Violoncelle. Pianissimo subito. Alto avec hautbois. Flûte qui vient répondre en dolce. Au bois. Celui de la clarinette. Et maintenant, alto. Un, deux, alto. Et on revient en 6-4. A crescendo, ici avec pids. Plum, plum. Façon. Contrebasse. Il y en a un. Ton, 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 ton. Il y en a deux. Le monde. Pom, pom. Ton, 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 ton. Première boîte. Alto, violon avec les violoncelles. Ce corps ici.
flûte, après sa trompette. Violoncelle. Avec trompette. Et on se calme pour la lettre A. Violoncelle. Trompette. Violon 2, alto. Violoncelle, violon 2. Ça ici, c'est flûte. Toutes les bois presque. Sauf le hautbois. Maintenant, clarinette. Ici, violoncelle avec alto. Passons. Flûte. Toutes les bois ici. Maintenant, clarinette, basson, ton do de flûte, ton 9-4. Subito piano. Alto au bois. Flûte. Au bois. Clarinette. Six, quatre. Flûte. Bois. Violon 1. Violon 2. Pom pom. C'est trombone. Pom pom. Ici, alto qui est très important. Pom, 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 d'un présent G, solo de corps. Contrebasse. Ici, timbale. Tempo 1, récapitulation. Contrebasse. Un trombone. Corps, do, avec les contrebasses. Ici, trompette. Ici, bois. Corps. Basson. Flûte, clarinette.
Sinon, un. Basson. Clarinette basson. Et on revient ici. Alto, contre-champ. Et on revient en deux. Au bois, corps. Pids. Trompette. Et en deux. Bon, bon. Trompette. 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 Trombone. Et en deux. Corps. Trompette. Alto, violoncelle. Un bal. Du fortissimo. Un bal trombone. Ah, intéressant. Si je viens. Bah, viens deux ici, important. Et ensuite ici. Contrebasse. Alto ici. Violoncelle. Boum. Timbal. Pour le deuxième mouvement maintenant, probablement un 4 assez fluide. Ici. Bois.
Voici. Oh. Passons. Et on selle. Violoncelle, calto, corps. Contrebasse. Passons. Oh,
c'est trombone. Ici, clarinette flûte. Violon 1. Troisième mouvement, un mouvement que j'avais regardé, un arrangement, il y a 2 ans. Passons.
Violoncelle, alto, flûte. Donc, c'est pas pour le troisième mouvement. Maintenant, le dernier mouvement. Mouvement très passionné, comme vous allez voir. Au début, allegro, piano et sotto voce. Trombone. Pom pom po tan 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 pa tan trompette tan 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 tan
Trombone. Corps. Ça ici a besoin d'un peu plus de clics. 1, 2, 3. 2.
Et maintenant, on arrive dans la section lente. Ici, timbale. Et trombone, pianissimo. Super, donc ça c'était... Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'était la répétition sans son du troisième, de la troisième symphonie de Brahms. Dernier mouvement qu'on vient de faire. Et après 1 minute de pause, on va aller avec la musique cette fois-là. Donc toute la troisième symphonie avec l'enregistrement qu'on va écouter lors du 31 décembre à 13h, alors que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms les unes à la suite des autres. Donc on se revoit dans 1 minute. Donc, rebonjour. Nous allons maintenant aller vers la pratique du troisième mouvement, de la troisième symphonie de Brahms au complet, avec enregistrement sonore. Donc, j'ouvre l'enregistrement à l'instant. Voilà. Donc,
On continue avec la pratique de la troisième symphonie de Brahms. Et je vais juste noter. Voilà. Donc, on est parti pour le troisième symphonie de Brahms. Avec Paavo Järvi ainsi que le Kammerphilharmonie Bremen. Maintenant encore, ce sera en trompette, violoncelle, trompette, bois, violoncelle. Trompette. Il y en a deux avec alto. Cornet de basson. Pianissimo. Alto. Pianissimo. Alto. Flûte. Contrebasse. Timbale. Corps, ici trompette. Violoncelle.
Ouais, bah, trompette.
corps. Trompette.
Donc, merci à tous qui étaient là pour l'étude de cette troisième symphonie de Brahms. Maintenant, il reste la quatrième ainsi que le concerto du violon. Très bientôt, en direct de ma page Facebook. Et tout ça en préparation du 31 décembre à 13h pour toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon. Sans aucune pause. À très bientôt.